10 conseils pour réussir sa demande de subvention FDVA. En quelques minutes, vous comprendrez les attentes administratives des instructeurs pour déposer une demande de subvention conforme. Ce tutoriel a vocation à mettre en évidence les difficultés rencontrées par de nombreuses associations. Attention, l'irrecevabilité administrative de votre demande peut conduire à la non-instruction de votre dossier. Une seule relance sera effectuée. Attention, les dossiers hors délai, incomplets ou non conformes ne seront pas instruits. Lire impérativement la note d'orientation et saisir le bon code de subvention. Il est indispensable de lire la note d'orientation, qui peut être différente d'un département à l'autre. Vous la trouverez sur le site de l'Académie de Normandie, www.ac-normandie.fr/vie-associative. Une fois la note d'orientation lue, saisir le bon code de subvention. Pensez à faire le bon choix dans le type de subvention. Fonctionnement global si la subvention sollicitée participe au fonctionnement global de l'association. Projet action si la subvention vise à mettre en œuvre un projet ou une action initiée par l'association. Vérifiez la concordance de votre nom et adresse INSEE, RNA, RIB. Le nom et l'adresse de votre association doivent être identiques entre les répertoires SIREN, INSEE, RNA, RIB. En cas de discordance, il est nécessaire d'effectuer les démarches directement sur le compte ASSO par le bouton e-modification. Il n'y a pas de mise à jour automatique entre les différents répertoires. Téléverser uniquement les documents au format PDF. Vos documents doivent être obligatoirement au format PDF. Pas de fichiers Excel, Word, PowerPoint, JPEG, etc. Pensez à mettre à jour vos documents sur le compte ASSO avant de saisir votre demande. Vous avez obtenu une subvention FDVA l'année passée, cliquez sur « Oui ». Téléversez vos documents. Si besoin, déposez d'autres documents pour compléter la présentation de votre projet. Il est indispensable de fournir les derniers comptes financiers et rapports d'activité approuvés en AG. Pensez à téléverser les derniers comptes annuels et rapports d'activité validés par l'Assemblée générale de l'association. Un modèle type peut vous être transmis par votre service instructeur sur demande. Le budget prévisionnel annuel de l'association doit être téléversé en pièces justificatives, puis vous devez saisir le budget du projet dans le formulaire CERFA. Commencez par téléverser le budget prévisionnel annuel de l'association. Les subventions sollicitées doivent impérativement figurer sur le budget prévisionnel global de l'association pour l'année en cours. Saisissez ensuite le budget du projet dans le formulaire CERFA. Là aussi, il est indispensable de saisir les subventions sollicitées sur le budget du projet dans le formulaire CERFA. La qualité rédactionnelle du projet sera prise en compte lors de l'instruction. La qualité rédactionnelle du projet ainsi que les critères d'évaluation constituent des éléments d'appréciation non négligeables. Votre demande concerne le FDVA 2 en fonctionnement, saisir aide au fonctionnement global, sinon préciser projet nouveau et ou innovant. Pour le FDVA 1, préciser l'intitulé de l'action de formation. Dans l'onglet Objectif, la place n'étant pas limitée pour le texte, complétez avec précision toutes les rubriques. Sélectionnez pour le FDVA 2 Financement global ou Projet nouveau innovant. Pour le FDVA 1, formation des bénévoles. N'oubliez pas d'effectuer la double validation sur le compte ASSO à la dernière étape de votre demande. Soyez vigilant à la double validation en fin de saisie. N'oubliez pas de cliquer sur « Transmettre » pour envoyer votre dossier au service instructeur et de cliquer une nouvelle fois pour bien confirmer sa transmission. Le statut de la demande sur le compte ASSO doit être transmis au service instructeur. Attention, les échanges avec le service instructeur se font par la messagerie du compte ASSO.
Surveillez bien votre messagerie en lien avec le compte Asso et vérifiez bien vos spams. Enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher du service instructeur de votre département. Retrouvez toutes les informations sur le site internet académique. Des réunions d'information seront prochainement organisées par département et au niveau régional. D'autres questions ? N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs en région.